Nous avons rendez-vous avec Peter Lewitt aujourd'hui, dans cette belle ville de Cassis. C'est un ancien élève de DeathWeb, et c'est son lieu d'habitation et de travail. C'est par une décision de réorientation. En fait, j'étais manager pendant 15 ans, et j'ai voulu vraiment travailler dans ma passion. Et le seul moyen que je voyais, c'était de travailler, d'étudier à la maison. Et Icademy m'a permis ça, en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un DeathWeb et enfin avoir la possibilité de vraiment réaliser ce que je voulais faire. Alors, la première chose, c'était l'adaptation de l'emploi du temps. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut. Il suffit vraiment de travailler sérieusement et en fait on a accès à la plateforme 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc on peut vraiment s'adapter à notre emploi du temps. Moi j'ai travaillé à côté, donc ça m'a permis vraiment de vivre parce qu'il faut pouvoir payer son loyer et tout ça, et étudier en même temps. Que faisais-tu avant? Tu étais manager? J'étais manager chez Nespresso. Le fait est que c'était pas forcément ma passion, c'était génial, mais c'était pas ma passion, et donc du coup voilà. Donc en fait, moi je suis développeur front-end, ce qui veut dire que je m'occupe de tout ce qui est visuel et tout ce qui arrive à l'écran de l'internaute. En développement web, vous avez des langages serveurs et des langages clients. Moi, je m'occupe de tout ce qui est côté client, c'est-à-dire le JavaScript, l'ergonomie. Je m'occupe aussi de temps en temps du web design, mais ça, c'est un peu moins le cas. Je suis un intégrateur. Et c'est justement ce que m'a permis le DeathWeb. Alors déjà, ce sentiment d'appartenir à une école, parce que c'est exactement ce qu'on a eu, c'était de représenter Icademy à travers notre dossier, et ça rassure. Et après, j'ai pu connaître des étudiants, on a pu travailler sur un projet de communication complètement nouveau, donc voilà, plein d'idées, très motivant. Alors, le marché est très important. À savoir que déjà, moi, ça fait un mois que je suis développeur front-end, j'ai déjà 3 contrats, sans faire appel à quel que soit comme moyen de communication. Donc, il y a beaucoup de beaux jours devant moi avec ce diplôme-là. Pas de soucis. Et est-ce que tu pourrais nous résumer Icademy en un mot? En un mot, je dirais pas en un mot, proche des gens.